Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Vice-Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux Chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les anciens présidents du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et hautes écoles, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, du corps administratif et du corps étudiantin de l'Université de Genève, Mesdames et Messieurs les membres des associations et sociétés d'étudiants, Mesdames et Messieurs les invités. Portée par les notes sublimes de cette polonaise de Chopin, jouée magnifiquement par notre soliste François-Xavier Poisa, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à l'occasion du Dies Academicus de l'Université de Genève, qui vient clore une semaine consacrée aux droits humains. L'actualité dramatique qui nous parvient de nombreuses régions du monde nous montre chaque jour que ces droits demeurent régulièrement bafoués, voire niés. Empreinte de l'esprit de Genève, notre université a le devoir de s'impliquer dans leur compréhension et leur défense. C'est pourquoi, durant toute cette semaine, dans nos murs, des débats particulièrement riches ont exploré les relations complexes entre droits humains et commerce, dans une série d'événements qui ont permis un enrichissement mutuel de notre institution et de sa cité. Consacrer une cérémonie au respect des libertés et des droits fondamentaux et distinguer celles et ceux qui s'engagent à leur mesure et par leur excellence, l'excellence de leur travail, à cet objectif est la raison d'être de ce Dies Academicus que j'ai le plaisir d'ouvrir maintenant en passant le témoin à M. Grégory Meyer, président de l'Assemblée de l'Université. M. Meyer. Mesdames, Messieurs, l'Assemblée compte 45 membres élus parmi les professeurs, collaborateurs de la recherche et de l'enseignement, étudiants et le personnel administratif et technique. Parmi les attributions que le législateur a bien voulu nous confier, la plus importante est sans aucun doute la désignation du recteur, choix confirmé par le Conseil d'État. Cette prérogative a été exercée lors de l'année 2014, processus inédit, complexe et exigeant, mené d'une main de maître par mon prédécesseur Dominique Bollin et en parfaite intelligence avec le Conseil d'orientation stratégique et son président Mario Annoni. L'Assemblée a prouvé lors de cette procédure sa grande maturité politique et a exprimé un choix clair et franc à l'attention de notre exécutif sur le meilleur candidat et la qualité de son programme. Monsieur le recteur est à ce sujet d'accord avec moi. Beaucoup se sont étonnés qu'une assemblée pléthorique, je l'ai entendu, soit investie d'une si grande responsabilité. Parmi les critiques les plus acerbes, certains se sont même demandé ce que des étudiants ou des représentants du personnel pouvaient bien avoir à dire sur les projets pour leur université. Il aurait été alors préférable de confier cette tâche à quelques conseils d'administration ou commissions de notables et d'experts autoproclamés. À moins d'en oublier les missions essentielles et premières de notre université, les représentants de celles et ceux qui la font et la vivent n'auraient-ils pas quelque chose à dire sur le futur de leur institution, à l'heure où l'enseignement supérieur et la recherche se résument trop souvent à la notion de marché académique, la contemplation des rankings internationaux et à la quête éperdue de l'excellence, mot sur toutes les lèvres et pourtant jamais défini. Permettre aux représentants de notre communauté de décider ensemble me semble être au contraire bénéfique, en des temps où ces lieux de savoir sont pernicieusement remis en question. Par ailleurs, la tentation est grande d'enfermer l'université dans une approche technocratique qui s'appréhenderait en termes purement comptables à travers des objectifs mesurés par quelques critères quantitatifs et objectifs. Les défis ne manquent pas. Pensons à l'économie qui divorce du social, aux taxes universitaires qui n'augmentent pas chez nous, mais pas très loin, tandis que des bastions du savoir tombent en ruine. Les universitaires eux-mêmes, ne sont pas exempts de critiques. Les dynamiques du système académique imposent une course aux publications et favorisent une précarisation des enseignants et des chercheurs. L'implication des représentants de tous les membres de notre université, de la simple commission à la désignation du recteur,
me semble être un des moyens de contrebalancer quelque peu certains effets néfastes que j'ai évoqués. L'Assemblée est un lieu de débat et de réflexion qui peut sans doute encore mieux faire. Certes, dans le cadre de nos institutions et de ses lois, du budget de plus en plus serré de notre République, les projets d'un recteur ou d'une Assemblée n'ont que peu de marge de manœuvre. Il faudra pourtant les trouver. Il m'apparaît indispensable qu'à l'heure des choix, parfois difficiles, qui présideront le futur de notre institution, l'ensemble de notre communauté soit donc associé. Si la participation est encore confrontée à la suspicion, elle doit être au contraire reconnue et encouragée. Je terminerai par conséquent en remerciant toutes celles et ceux qui, par-delà leurs intérêts personnels, scientifiques ou intellectuels, en dépit parfois de leurs perspectives professionnelles, s'engagent dans les espaces laissés au débat d'idées et à la participation et qui contribuent de manière notable à faire vivre l'institution. Je vous remercie. Merci, Monsieur Meyer, pour ce discours très inspirant des missions très importantes que l'Assemblée de l'Université assume pour cette institution. Merci aussi de votre engagement sans faille pour l'Assemblée de l'Université. Une des raisons premières du Dies Academicus est d'honorer des personnalités qui s'engagent, non pour l'université en tant que telle, mais de manière plus générale pour la cité, pour la société. Nous commençons traditionnellement par un de nos anciens étudiants ayant fait preuve, au fil de sa carrière professionnelle, de ses préoccupations exemplaires pour autrui, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il exerce. Il appartient à l'Association des alumniers de notre université de décerner le titre d'alumnus ou alumna de l'année. Cette année, le comité exécutif d'alumni UNIGE a distingué un de nos anciens doctorants, M. Dominique Biedermann, aujourd'hui président de la Fondation Ethos. M. Biedermann a prouvé que le domaine de la finance et de l'investissement pouvait être entrepris de manière socialement responsable. C'est précisément un début de la Fondation Ethos qu'il a créé et qui a beaucoup œuvré par le biais des caisses de pension pour favoriser un environnement socio-économique stable, favorable à la prospérité des générations actuelles et futures. Cher Dominique Biedermann, au nom du comité exécutif d'Alumni UNIGE, j'ai le plaisir de vous remettre le titre d'Alumnius 2015 de l'Université de Genève. Monsieur le recteur, madame la conseillère d'État, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi d'avoir été désigné Alumnius 2015 de notre université. En tant qu'ancien doctorant de l'université, je suis effectivement très attaché à garder des liens avec la communauté des diplômés, ce qui est possible depuis 2009 à travers l'Association des alumni, qui compte aujourd'hui déjà près de 7000 membres. La distinction qui m'est accordée est d'autant plus importante pour moi qu'elle coïncide avec la Semaine des droits humains organisée par l'université. Le thème choisi cette année, à savoir commerce et droits humains, porte notamment sur le respect des droits humains par les entreprises. C'est précisément l'un des axes prioritaires que s'est donné la Fondation Ethos depuis sa création en 1997. Il s'agit de contribuer à ce que les entreprises prennent en considération leurs responsabilités sociales et environnementales envers toutes leurs parties prenantes. Ethos regroupe aujourd'hui 220 caisses de pension et fondations d'utilité publique suisses qui gèrent une fortune totale de 210 milliards de francs pour le compte de plus d'un million d'assurés. Ces institutions considèrent que leurs activités d'investissement peuvent constituer un cadre efficace pour contribuer au bien-être collectif. Ethos les accompagne dans cette démarche d'investisseurs socialement responsables. Cela implique non seulement le choix des sociétés en fonction de critères de durabilité, mais également, dans un deuxième temps, l'exercice des droits de vote à l'Assemblée générale et le droit d'engager le dialogue avec les instances dirigeantes. C'est surtout dans cette deuxième phase d'actionnaire actif que la Fondation Ethos a pu marquer ses points significatifs sur le long chemin vers une économie plus responsable. La distinction qui m'est accordée aujourd'hui est aussi celle des collaborateurs et du Conseil de Fondation d'Ethos, ainsi que de toutes les institutions membres. Ils ont régulièrement dû agir avec détermination et courage,
à contresens d'une économie trop souvent guidée par l'intérêt purement financier à court terme. Pour moi, c'est un grand encouragement à poursuivre l'action d'Ethos, guidée par la conviction qu'en tant qu'investisseurs, nous pouvons tous contribuer à la construction d'un environnement socio-économique durable pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention. Être socialement responsable, c'est une des valeurs que partage pleinement notre université. Cette valeur peut s'incarner de façon durable, concrète et particulièrement visible lorsqu'il s'agit, par exemple, d'imaginer la réorganisation des sciences de l'environnement et d'ériger une nouvelle construction en plein cœur de Genève pour réunir les efforts de recherche dédiés à l'environnement, au territoire et à la durabilité. C'est la voie de la concertation et en imaginant l'impact que cet ouvrage aurait sur son environnement direct, sur ses occupants, sur ses voisins, qui nous a permis de proposer à notre cité une réalisation non seulement académique, mais qui concourt à créer un lien fort avec notre société. J'ai le plaisir d'inviter maintenant Louis-Philippe Tessier, étudiant à la Faculté des sciences, membre du Comité pour un quartier durable, à nous présenter ce nouveau modèle de collaboration entre université et cité. Monsieur Tessier. Mesdames et messieurs, chers amis, j'aimerais remercier en premier l'Université de Genève de m'avoir invité au Dies Academicus pour vous présenter brièvement ce qu'a entrepris le Comité pour un quartier durable au courant de la précédente année académique. Ce comité a été créé à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment universitaire Uni Karl Vogt. Son objectif premier est de rapprocher les différents membres de la communauté universitaire et ceux du quartier de la Jonction Plainpalais grâce à des projets communs. Pour ce faire, nous avons tenu, entre autres, des séances créatives avec les acteurs de ces communautés. Ces rencontres avaient pour but d'échanger et de partager plusieurs idées de projets en rapport avec des thématiques environnementales. J'aimerais justement en partager une avec vous, car elle nous a particulièrement touchés. Cette idée concerne un piano, mais pas n'importe lequel. Un piano qui serait modifié et végétalisé par des étudiants en botanique et en ingénierie. Des plantes indigènes propres à Genève serait planté sur le dessus de celui-ci et un mécanisme serait installé afin d'offrir un sachet de graines aux personnes ayant joué la bonne mélodie. Installé dans le cadre du projet « Jouer, je suis à vous » en partenariat avec la ville de Genève, ce piano permettrait à tous les curieux de cultiver leurs connaissances musicales et herbologiques, mais aussi de passer un bon moment dans un quartier désireux de voir sa qualité de vie prospérer. Par ces séances créatives, nous souhaitions concrètement démontrer qu'une université ancrée dans son quartier est un objectif atteignable et désirable. Les initiatives liées au développement durable à l'université sont nombreuses et gagneraient à être intégrées efficacement dans un agenda englobant et cohérent, à la manière du projet du quartier de l'innovation à Montréal, réalisé entre autres par l'École de technologie supérieure et l'Université McGill. En décembre se tiendra à Paris la 21e conférence des parties sur les changements climatiques. Cet événement représente une opportunité à saisir afin de créer de nouvelles synergies et d'innover dans ce domaine. L'atteinte d'une société plus en accord avec son environnement ne passe pas uniquement par de grands accords internationaux. Il est de la responsabilité de tous et chacun d'apporter sa contribution à cet idéal et il faut encourager et soutenir des petits groupes de personnes motivées qui œuvrent dans ce domaine. En terminant, j'aimerais sincèrement remercier tous les partenaires qui nous ont suivis et soutenus dans nos projets. Et un remerciement spécial au Dr Alexandre Edjazi pour ses judicieux conseils et à Ève Lamontagne et Pierre-Antoine Legrand pour leur travail remarquable et leur dévouement dans ce projet. Je vous remercie tous et vous souhaite un très agréable Dies Academicus. Les universités comptent parmi les institutions les plus anciennes au monde. Elles ont une histoire forgée au fil des guerres, des conflits religieux et de toutes les révolutions auxquelles elles ont toujours survécu. Elles font aussi l'histoire et elles construisent l'avenir. Elles sont aujourd'hui plus que jamais indispensables pour notre avenir. Séculaires, elles ont une trajectoire orientée vers l'avenir. Ce sont vers elles que l'on se tourne pour répondre aux enjeux et aux défis que nos sociétés doivent affronter.
à travers le dialogue, la création de savoir, la transmission de la culture. Elles sont le lieu de la liberté de penser, de la recherche de la vérité, même si cette recherche vient parfois contredire les convictions établies et des idées trop facilement reçues. Les universités sont l'antithèse de tous les fanatismes, de ces fanatismes qui mènent aujourd'hui à la destruction de Palmyre et qui portent atteinte au patrimoine culturel mondial. En ce sens, elles demeurent une des constructions les plus précieuses de l'humanité. Pour conquérir ce statut, pour se réinventer continuellement, sans perdre pour autant leur âme, sans perdre aussi de vue leur mission première, liée à l'enseignement et à la recherche, les universités ont dû être innovantes, encore et toujours. Elles ont su s'adapter, parce que justement, à travers l'enseignement et la recherche, elles questionnent sans relâche le monde, elles participent, elles anticipent ces transformations. La liberté académique est la pierre angulaire de ce succès, une condition nécessaire à l'innovation, non seulement pour les universités, mais pour la société tout entière. En effet, les savoirs élaborés dans les institutions académiques diffusent dans la cité et ils sont la source sur le long terme de la création de valeurs et de richesses de nos sociétés. Il en va évidemment des applications directes de la recherche, mais il en va bien plus encore des recherches fondamentales et notamment des humanités. Les découvertes les plus importantes, les innovations majeures, celles que l'on n'attend pas, celles que l'on n'anticipe pas, celles qui bouleversent nos modes de pensée ou d'action, sont toujours le résultat de recherches désintéressées, de recherches ouvertes sur l'inconnu, ouvertes à l'imprévu le plus complet, de recherches dont les seuls buts sont de comprendre le monde qui nous entoure. Pour créer, pour réellement innover, il faut explorer des territoires inconnus. Il faut donc de la liberté. Le monde universitaire vit actuellement plusieurs bouleversements majeurs. Encore et toujours, nous y participons, nous les accompagnons, nous les anticipons. L'économie de la connaissance, la révolution numérique, ou encore le changement de rapport entre institutions publiques et politiques imposent aux institutions académiques de s'inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Plus autonome, plus international, plus connecté, plus en compétition, elles doivent redéfinir leurs priorités et surtout comprendre comment servir de nouveaux publics aux attentes toujours plus précises et plus variées, à prodiguer un enseignement au plus près des besoins individuels des étudiants, à inventer Science 2.0 qui intègre la participation citoyenne. Grâce au travail remarquable des membres de notre université, la situation de l'Université de Genève est excellente. En tant que recteur, j'hérite d'une université qui ne m'a pas attendu pour innover. Il suffit de penser aux nombreux pôles de recherche nationaux hébergés par notre institution, et notamment les deux plus récents dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Il suffit encore de penser à notre programme de MOOCs, ces fameux cours gratuits, en ligne et ouverts à toutes et à tous, aux activités que nous déployons dans le domaine des sciences citoyennes, aux liens originaux que nous tissons avec nos partenaires de la cité, que ce soit au niveau de l'enseignement ou de la recherche, fondamentale et appliquée, aux liens avec toutes les hautes écoles de l'arc lémanique. Je pourrais continuer ainsi longtemps. C'est une grande et belle université. Merci aux équipes de chercheurs et de collaborateurs de nous offrir une institution d'une telle qualité, capable de se réinventer en permanence et qui se trouve cette année à la 58e place du classement des universités mondiales de Shanghai. Et demain, me direz-vous, quelle place notre université peut-elle oser prétendre occuper ? Laissez-moi partager avec vous mes rêves et mes espoirs pour toutes celles
et tous ceux qui font aujourd'hui de notre Académie ce qu'elle est. Nos étudiants, tout d'abord. L'Université de Genève se doit de mettre à disposition de chacune et chacun les conditions optimales à leur réussite. Je rêve d'une université capable d'utiliser les nouvelles technologies pour anticiper les échecs, pour proposer des parcours individuels différenciés. Selon les points forts de chacun et selon les contraintes personnelles telles que famille ou emploi, en proposant des expériences plus immersives. Je me prends à imaginer une haute école qui procéderait à l'avènement d'un véritable enseignement personnalisé, une haute école qui favoriserait non seulement l'accès au savoir, mais surtout le contact direct avec les enseignants. Je rêve surtout d'une université qui permette à toutes et à tous de révéler le meilleur d'eux-mêmes, de s'épanouir au contact d'un enseignement en phase avec les questions que se pose l'humanité. Laissez-moi partager ensuite avec vous mes rêves et mes espoirs pour nos chercheurs et nos collaborateurs. Offrir des conditions attractives ne suffit plus. Notre université doit s'affirmer comme le centre d'attraction des personnes motivées par les plus grands défis intellectuels, où l'on vient par choix, parce que l'on sait que cette haute école vous poussera à vous dépasser. Une université où l'on a du plaisir à travailler et à vivre. Une université qui facilite la mobilité internationale de tous et de toutes, permettant un renouvellement permanent des idées et des expériences. Une université aussi où l'administration serait simplifiée. Une université où les jeunes chercheurs, et plus particulièrement les jeunes chercheuses, peuvent trouver les appuis nécessaires à la poursuite de leur carrière académique. Laissez-moi finalement partager avec vous mes rêves et mes espoirs pour Genève, celle qui nous accueille, celle qui nous soutient, celle à qui nous devons finalement tout. Je rêve d'une université qui reste ouverte sur sa cité, sur ses écoles, sur ses citoyens, et qui les invite à co-construire de nouveaux savoirs, à entrer dans l'ère des sciences participatives. Une université qui alimente des interactions de plus en plus étroites entre milieux universitaires, milieux politiques, sociaux, économiques, artistiques, et qui agit à un niveau de plus en plus global et international. Une université reconnue localement pour sa capacité à inspirer de nouvelles initiatives, mais aussi une université reconnue mondialement pour sa capacité à aborder des problèmes globaux avec une grande richesse d'approches disciplinaires, en lien avec d'autres universités à travers le monde et avec les organisations internationales. Une université, somme toute, reconnue pour sa capacité à faire rêver, à faire réfléchir, à motiver toutes et tous à construire ensemble un avenir meilleur. Une université pleinement inscrite dans les révolutions technologiques en cours, qui non seulement s'en sert, mais permet de les penser. J'ouvre les yeux et je vous vois. Vous, étudiants, chercheurs, collaborateurs, représentants des autorités, futurs diplômés, anciens et futurs membres de notre communauté, partenaires académiques et non académiques, citoyens. Et je me dis que, grâce à vous, ce rêve, s'il n'est pas encore tangible, est déjà un peu réalité. Ensemble, nous parviendrons à lui donner vie. Je vous remercie de votre écoute et de votre soutien indéfectible. Madame la conseillère d'État, en charge du département de l'instruction publique, de la culture et des sports, chère Anne-Emerie Torracinta, vous connaissez les défis qui sont les nôtres. Vous connaissez aussi les contraintes avec lesquelles nous devons composer chaque jour pour dépasser nos limites et permettre à notre excellence pédagogique et scientifique d'avoir un impact sur notre cité. Je tiens à profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous remercier très chaleureusement
pour votre engagement passé, présent et futur, sans faille à notre égard. Il nous est plus que jamais précieux et indispensable. Merci, je vous invite à prendre la parole, Madame la conseillère d'État. Monsieur le recteur, Madame et Messieurs les membres du rectorat, Mesdames et Messieurs et surtout chers amis, c'est pour moi un honneur et un plaisir de participer une nouvelle fois à ce jour bien particulier d'une année universitaire qu'est le Dies Academicus. Pour l'autorité politique, c'est l'occasion de rappeler l'importance du rôle de l'université dans notre République et l'attachement que lui portent tous les Genevois. C'est l'occasion aussi de remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'université de leur engagement constant. À cet égard, comment ne pas se réjouir de savoir que le classement de Shanghai des meilleures universités du monde confirme l'excellence académique de notre université. Reconnue bien au-delà des frontières pour la grande qualité de son enseignement et de sa recherche, l'université a su innover. Elle a su s'adapter à un monde en mutation, développer la recherche de pointe et attirer de nombreux chercheurs et enseignants de haut niveau. D'où ce classement extrêmement flatteur, d'autant plus flatteur qu'il montre une progression remarquable ces dernières années. Mesdames et messieurs, le Conseil d'État tient à vous en féliciter et vous dire sa gratitude. Une gratitude qui s'adresse à tous vos collaboratrices et collaborateurs, à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à ce pôle d'excellence et à une réussite dont les Genevois peuvent être fiers. Cette réussite est exigeante. Elle constitue un défi pour notre université et tout d'abord pour vous, monsieur le recteur, qui assumez cette belle et lourde tâche depuis plus de 3 mois avec vos collègues du rectorat. Le Conseil d'État est convaincu que vous saurez maintenir cette qualité qui fait la réputation de notre université et justifie le jugement de ses pairs. Le premier de ces défis, et non des moindres, est financier. Vous le savez, l'état des finances cantonales oblige le Conseil d'État à faire preuve de rigueur dans tous les domaines d'activité. De fait, l'université ne disposera donc pas de ressources publiques supplémentaires l'an prochain dans le cadre de la convention d'objectifs qui nous lie. Même si je suis consciente que le gouvernement ne peut exonérer l'université de l'effort commun pour le rétablissement des finances publiques, sachez qu'à titre personnel, je regrette d'autant plus que la formation et la recherche doivent être, ou devraient être, à mon sens, des priorités pour notre canton. Le Conseil d'État est conscient des problèmes que vous posent ces temps difficiles. Il est sensible à vos inquiétudes. Mais il est heureux de constater que vous avez déjà pris une série de mesures pour pallier ce manque, que j'espère provisoire. Notamment que vous avez la volonté de trouver de nouvelles sources de financement afin de ne pas mettre en cause vos engagements, tant en matière de recherche que d'enseignement ou de développement de nouveaux projets. Vous avez également, monsieur le recteur, exprimé votre volonté d'assurer la relève au sein du corps professoral avec le soutien financier de la Confédération. Le Conseil d'État s'en réjouit. Comme je me réjouis aussi des efforts entrepris pour accélérer l'indispensable promotion des carrières féminines, notamment dans les secteurs où elles sont nettement sous-représentées. En honorant aujourd'hui la directrice générale de l'UNESCO et la présidente et cofondatrice de l'Appel de Genève, vous avez placé cette journée sous le thème de l'ouverture au monde et de la Genève internationale. Vous avez souhaité également réaffirmer ainsi le rôle central de l'éducation pour la promotion de la paix. Je m'en félicite. À l'heure des replis identitaires, du retour des nationalismes et du rejet de celui qui est différent, il est bon et nécessaire que l'université rappelle la longue tradition humanitaire de Genève à laquelle elle a largement contribué. Plus que jamais, il est nécessaire que les grands esprits qui peuplent notre monde académique se fassent entendre dans la société pour réaffirmer ses valeurs. Tout au long de son histoire, Genève a fait preuve d'ouverture et de solidarité. Nombreux sont les hommes et les femmes de ce canton qui se sont engagés et s'engagent encore en faveur des victimes et pour la défense des droits humains. Quand jour après jour, nous sommes submergés d'informations les plus sombres et d'images tragiques, quand nous assistons au retour de la barbarie et du fanatisme, quand sont détruites des œuvres qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, il est essentiel de réaffirmer cette tradition humanitaire de Genève et son rôle comme lieu de rencontre et de dialogue au service de tous les États. Quand se ferment des frontières et que s'érigent des murs,
Quand des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints de fuir la violence et les discriminations, il faut rappeler que la Genève internationale, ce n'est pas seulement la présence de 30 organisations internationales, de 250 ONG et de diplomates de haut rang. Il faut rappeler aussi que c'est un engagement constant du canton en faveur de la paix, du droit humanitaire, de la protection des plus faibles et des plus démunis. Il faut rappeler que c'est réaffirmer sans cesse l'indispensable respect des droits humains, et notamment celui des civils, à une protection dans les conflits armés, comme l'affirme l'appel de Genève. Il faut rappeler que c'est favoriser le dialogue et la négociation entre les parties à un conflit, comme cela sera le cas, par exemple, en novembre prochain, à propos du conflit syrien. Le Conseil d'État est profondément attaché à ce rôle de facilitateur de la paix, et il est conscient de l'importante contribution de l'université à cet engagement, et il vous en remercie. Pour conclure, et en vous souhaitant une belle année universitaire, je tiens à vous redire, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, la satisfaction et la gratitude du Conseil d'État de voir Genève disposer d'une université dont la qualité et le rayonnement international profitent à l'ensemble de la communauté. Je vous remercie de votre attention. Computers are becoming more and more powerful, allowing us to describe nature in ever more. De la source au robinet, c'est donc une multitude de problématiques qui touchent le secteur de l'eau. C'est des mesures qui ont été faites par le satellite Kepler et l'âge de ces étoiles parce que ça sera toujours what we see that there will be an effect which will preserve them.
des identités. Je crois que c'est clé pour le débat aujourd'hui, parce qu'évidemment... Mesdames et messieurs, chers invités, j'ouvre à présent la collation des doctorats honoris causa de l'Université de Genève et prie la première lauréate, Madame Irina Bokova, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Chère Irina Bokova, certaines trajectoires mettent toute tentative de portrait en échec, avant même d'être prononcé ou couché sur le papier. Comment en effet résumer une carrière telle que la vôtre, sans céder au risque de la simplification à outrance? J'ai malgré tout choisi un mot pour tenter de vous présenter, le mot « combat ». En politique tout d'abord, diplômée en relations internationales, c'est au ministère des Affaires étrangères de votre pays natal, la Bulgarie, que vous entrez dans le giron des Nations Unies et sur la scène internationale. En tant que membre du Parlement bulgare, vous avez œuvré à l'adhésion de votre pays à l'Union européenne et à l'OTAN, ainsi qu'à l'élaboration de sa nouvelle constitution. Votre combat politique est donc un combat résolu pour l'ouverture, pour la refondation, à une époque où la disparition d'un monde bipolaire aurait très bien pu mener à la confusion et au chaos. Sans doute votre fonction d'ambassadrice que vous avez assumée pour votre pays en France, à Monaco et auprès de l'UNESCO, vous a-t-elle particulièrement bien préparée à la rencontre, à cet appétit pour la découverte d'autres cultures que l'on devine à la seule mention des nombreuses langues européennes que vous pratiquez très couramment. En novembre 2009, vous devenez la première femme nommée à la direction de l'UNESCO. Réélue en 2013, votre statut vous place alors dans le rôle de porte-drapeau en faveur du respect des droits de la femme et d'une éducation de qualité pour toutes et tous. Enfin, votre combat est celui de la culture. La culture comme arme contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre l'oubli, contre le déni du droit à la différence. Ardente défendresse de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez dirigé les activités de l'UNESCO dans le domaine de la mémoire et de la sensibilisation à la Shoah. Les actions que vous avez initiées contre le trafic illicite de biens culturels constituent un autre de vos champs de bataille qui nous tient particulièrement à cœur, comme vous le savez, puisque l'Université de Genève a l'immense privilège d'héberger la chaire en droit international de la protection des biens culturels, fruit du partenariat entre notre faculté de droit et votre organisation. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, le souffle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
le goût du libre débat d'idées, de la passion démocratique. Ce sont des valeurs universelles que chacun porte en lui, déclariez-vous récemment. Puisse ce doctorat honoris causa que nous vous décernons aujourd'hui vous rappeler que toutes ces qualités sont bel et bien les vôtres et que la reconnaissance que nous vous devons est à leur mesure, sans limite ni frontière. J'invite le secrétaire général de l'Université de Genève, M. Stéphane Berthet, à remettre le doctorat honoris causa à Mme Irina Bokova, que nous aurons maintenant le plaisir de passer à la cérémonie des remises de doctorat honoris causa des autres facultés. Voilà, donc nous passons maintenant à la deuxième partie des doctorats honoris causa, les doctorats honoris causa de notre université, et à la présentation des personnalités qui ont été choisies par nos facultés. Cher Henri Bismuth, je vous invite à venir vous placer à mes côtés pour recevoir votre distinction. Monsieur, vous êtes une figure incontournable de la chirurgie abdominale au niveau mondial, mais vous êtes aussi et surtout lié à la chirurgie des hôpitaux universitaires de Genève depuis, je pensais, 3, mais vous m'avez dit tout à l'heure, 4 générations de chirurgiens. D'abord, connu de M. Rudler, vous êtes aussi devenu l'ami d'Adrien Renner, professeur honoraire de notre faculté, puis mentor du regretté Gilles Manta et de Pietro Maino. Et vous avez été le guide de tous les autres spécialistes de la transplantation du foie. Vous avez su réunir autour de vous un groupe d'élèves fidèles, aujourd'hui professeurs dans les universités les plus renommées du monde, de la Chine à l'Argentine, et regroupés sous la belle appellation de compagnons hépatobiliaires. Les compagnons HB, en quelque sorte, deux lettres qui rappellent étrangement celles de vos initiales, Henri Bismuth. Né à Tunis, vous êtes intéressé très précocement à la chirurgie du foie et des voies biliaires. Dans la répartition des services chirurgicaux à Paris, on avait cru vous servir en dernier en vous confiant un hôpital gériatrique où l'on ne soignait que les escarres. En quelques années, vous y avez construit le meilleur centre de chirurgie hépatique de votre pays, probablement du monde. C'est dans cet hôpital que vous ouvrez dans les années 70 le premier centre de transplantation hépatique de France, à une époque où il n'y avait que 3 autres chirurgiens à pratiquer ce type d'intervention au monde, Thomas Starzl à Denver, Roy Cohn à Cambridge et Rudolf Pilchmeier à Hanovre. Seul véritable chirurgien hépatique dans ce groupe, vous pouvez vous targuer d'avoir contribué de manière décisive au domaine de la transplantation de foie partagée et réduit et d'avoir permis l'essor de la transplantation pédiatrique et des transplantations d'organes provenant de donneurs vivants. Vous avez su garder le patient au centre de votre attention. Consulté dans le monde entier pour des cas apparemment désespérés, vous avez toujours dit et enseigné « rechercher chez ce patient ce qui rend sa maladie exceptionnelle et donc curable ». Vous avez plaidé pour une réflexion approfondie du dossier médical avant de procéder au geste chirurgical, geste qui doit se faire avec une attention obsessionnelle pour le détail et sans précipitation. Ne relevez-vous pas vous-même, Henri Bismuth, que votre maître, Jacques Hepp, parmi toutes les bonnes décisions prises au cours de sa carrière, avait choisi d'enlever les pendules des salles d'opération. Henri Bismuth, vous avez été un précurseur de l'approche multidisciplinaire. Dans votre département, vous avez associé à votre réflexion les pathologues, le pathologue, le radiologue, l'oncologue, le réanimateur, mettant le malade au centre des spécialistes plutôt que de le faire naviguer entre eux. Je retiens, cher monsieur, l'image de cette photo d'une colonne grecque cassée que vous exposiez sur votre bureau pour souligner que les structures verticales sont fragiles et que ce sont plutôt les structures horizontales et transdisciplinaires qu'il faut construire. Pour tout ce que vous avez fait pour la chirurgie et la transplantation du foie dans le monde et à Genève, la faculté de médecine est fière de vous conférer un doctorat honoris causa de notre université. Cher Franck Lestringan, je vous prie de bien vouloir me rejoindre pour la remise de votre titre. Il est des chercheurs d'exception qui, plutôt que de préciser les intuitions formulées par d'autres, élargissent à eux seuls les frontières de leur discipline.
Ils parviennent alors, soudainement, à en déplacer les questionnements et à en renouveler les objets. C'est sans conteste à cette catégorie que vous appartenez, cher Franck Lestringant, vous qui êtes aujourd'hui professeur de littérature française de la Renaissance à l'université de Paris IV Sorbonne. À la fin des années 80, votre discipline souffrait d'un nombrilisme, d'une érudition vaine, ou peut-être même d'un repli maniériste sur un culte des formes étudiées pour elles-mêmes, loin de l'histoire, loin du monde. Vous avez alors placé au cœur de vos recherches la bibliothèque oubliée des cosmographes et des voyageurs au long cours. Vous avez fait dialoguer ces textes géographiques avec les cartes, avec les gravures, en vous nourrissant aussi des travaux des anthropologues et des historiens du Nouveau Monde. C'est ainsi que vous avez fait souffler le vent du large en des lieux devenus poussiéreux. Vous l'avez fait avec énergie, avec conviction, au mépris des bornes et de leurs gardiens. Vous vouez, je crois, une admiration discrète, secrète, c'est un peu tard maintenant, pour Christophe Colomb. À cet égard, nous pourrions dire que vous avez révélé à la communauté scientifique l'existence d'un nouveau continent, sans doute au prix de quelques bonnes tempêtes, mais sans naufrage et manifestement sans disgrâce. Il est une œuvre que vos travaux ont particulièrement contribué à faire redécouvrir, et cette œuvre est même devenue un classique, grâce à vous. Et cette œuvre est genevoise. Il s'agit de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry. Si ce n'est déjà fait, je vous invite, mesdames et messieurs, à lire ce récit de voyage d'un contemporain de Calvin et de Théodore de Bèze. Et lisez dans la magnifique édition que nous a procurée Franck Lestringant ce livre. Je vous l'assure, vous serez en bonne compagnie pour assister à la rencontre du huguenot et du sauvage sur le site même de l'actuel Rio de Janeiro. Vous mesurerez aussi combien la polémique réformée s'est plu à mettre en miroir cannibales et catholiques, mangeurs d'hommes et mange-dieu. Et vous verrez que l'histoire de la réforme, comme celle de la littérature, se trouve vivifiée par la brise marine. C'est une œuvre critique immense que la Faculté des Lettres et l'Université de Genève ont aujourd'hui le plaisir d'honorer, mais c'est également une personnalité hors du commun. C'est un enthousiasme de tous les instants, une générosité dans l'effort, une véritable passion de l'écriture que nous saluons aujourd'hui. Un modèle pour les sciences humaines, et une inspiration pour leur défense qui valait bien, cher Franck Lestringant, un doctorat honoris causa de notre université. J'invite Madame Judy Weissmann à me rejoindre pour la remise de son doctorat honoris causa. Bienvenue. Cher professeur Weissmann, chère Judy, permettez-moi d'abord de vous citer. Vous écriviez dans un article récent, je cite, avant que Google ne procède aux modifications nécessaires, il était usuel qu'une recherche sur Google du type « elle invente » génère la réponse automatique. Voulez-vous dire « il invente » Et vous, de commenter, le langage informatique est écrit par des humains. Il contient certaines inférences et certaines hypothèses. Il incorpore certaines valeurs et certains biais. Pour faire court, les algorithmes de logiciels ne sont pas impartiaux. Les sociétés post-industrielles et numériques ne sont ni post-techniques, ni post-sociales. Comme vous l'avez extensivement montré, si les techniques jouent un rôle déterminant dans les sociétés occidentales, si l'action humaine est tributaire des techniques, ce sont toujours, je vous cite, nos pratiques sociales qui génèrent les qualités que nous leur attribuons et que nous considérons comme intrinsèques et permanente. Les technologies ne sont donc pas extérieures au monde social. En tant que sociologue du travail et de l'emploi, en tant que pionnière dans l'analyse de l'étude sociale, des sciences et des techniques, en tant que figure majeure des études de genre, vous avez été l'une des premières à explorer les promesses contradictoires de cette découverte. Les chercheurs de sciences de la société adorent les guillemets.
Melbourne, Londres, Édimbourg sont les lieux de vos années de formation, lieux où vous avez enseigné, enquêté, collaboré, publié, diffusant vos recherches dans le monde entier en étant traduites en de multiples langues. Votre travail est tout entier dédié à l'analyse de la complexité des situations concrètes où humains et artefacts interagissent. Comme vous nous le rappelez, en effet, difficile d'échapper aux techniques. Depuis plusieurs décennies, vos recherches se sont orientées vers l'ère numérique. Ce nouveau monde, dont vous prétendez qu'il n'est plus émancipateur ni plus aliénant que le précédent, poursuit et accélère pourtant notre obsession du temps. Les machines ne nous ont pas libérés du travail, en dépit des prédictions de Keynes, ni vous, ni moi, ni surtout notre recteur, ne travaillons les 3 heures par jour, espérés du fait du progrès technique. En étudiant la façon dont les technologies de l'information colonisent notre rapport au temps, vous proposez finalement un renversement politique de perspective et analysez comment le temps est économiquement et socialement alloué et valorisé. Plaidant pour une « slower life », vous nous suggérez alors de prendre au sérieux la remarque qu'un jeune papou vous faisait il y a 40 ans, vous, pauvre Australienne, occidentale et productiviste, qui n'aviez pu vous empêcher de lui proposer une technique pour accélérer le pressage des noix de coco. Il avait répondu que, quelle que soit la technique utilisée, je le cite, « la fabrication du lait de coco prendrait toujours une journée entière ». Il en avait toujours été ainsi, il en serait toujours ainsi. Merci à lui, merci au monde alternatif, s'ils existent encore. Merci à vous, chère Judy, dont la valeur méritait bien d'être soulignée par ce doctorat honoris causa qui vous est décerné aujourd'hui par l'Université de Genève. Chère Elisabeth de Crewarner, je vous prie de venir me rejoindre pour la remise de votre titre. Sur proposition de la faculté de droit, l'Université de Genève vous décerne un doctorat honoris causa en raison de votre impact décisif sur l'amélioration du respect du droit international humanitaire. Elisabeth de Crewarner, votre initiative est partie d'un constat simple. Seuls les États peuvent être partie prenante à des traités internationaux et donc souscrire aux obligations contenues dans ces traités. Or, les guerres d'aujourd'hui opposent moins les États entre eux que des États et des groupes armés, voire des groupes armés entre eux. Il vous a donc paru essentiel, dans l'intérêt d'un respect étendu du droit humanitaire et d'une meilleure protection des victimes, d'inciter les acteurs essentiels des conflits contemporains à souscrire eux aussi à des engagements visant, par exemple, à la non-utilisation de mines antipersonnelles ou au non-engagement d'enfants soldats. Vous avez ainsi fait en sorte que des groupes armés viennent signer depuis 2000 des actes d'engagement formels à la salle de l'Alabama de l'Hôtel de Ville de Genève, dont le Conseil d'État est le garant. Vous avez ensuite fondé une ONG, l'Appel de Genève, laquelle s'est donné le suivi de ces engagements pour mission. Dans un premier temps, votre idée a éveillé beaucoup de scepticisme. Faire venir des terroristes à Genève afin que ces derniers puissent faire de la propagande pour leur cause tout en prétendant avoir l'intention de respecter les règles humanitaires, la critique était facile. Et pourtant, 15 ans plus tard, l'Appel de Genève affiche un bilan des plus positifs avec un budget de 4 millions de francs et des actes d'engagement signés par quelque 81 groupes armés de toutes les régions du monde. L'Appel de Genève est en contact régulier avec une centaine de groupes armés pour obtenir d'eux le respect des normes humanitaires et leur enseigner celles-ci. Bien que non juriste, vous avez une formation de physiothérapeute. Vous avez grandement contribué à la mise en œuvre du droit international humanitaire. En créant une possibilité pour les groupes armés de prendre volontairement des engagements, vous avez remédié à un angle mort du droit.
vous avez compris que le premier pas vers le respect du droit humanitaire consiste à prendre les destinataires des normes au sérieux, à les écouter, à proposer des solutions et des règles de conduite réalistes. L'action de l'appel de Genève contribue à renforcer le droit humanitaire comme un domaine de recherche et d'enseignement prioritaire de notre université. Ces activités portent le nom de Genève dans le monde entier et renforcent ainsi la mission entreprise par plusieurs de nos anciens étudiants et de nos enseignants. C'est pour cet engagement exceptionnel en faveur du droit international humanitaire, pour votre contribution à la défense des plus démunis, que nous avons le plaisir de vous décerner, Elisabeth de Crewarner, le titre de docteur honoris causa de l'Université de Genève. Cher professeur Christian Nord, je vous invite à me rejoindre pour la remise de votre diplôme de doctorat honoris causa. C'est un grand nom de la traductologie que nous saluons aujourd'hui. Christian Nord, vous bénéficiez d'un rayonnement international et d'une reconnaissance incontestée dans le cercle de la traduction et de l'interprétation. Vous êtes une pionnière dans votre domaine. C'est en effet vous qui avez introduit le concept de loyauté dans les théories fonctionnalistes de la traduction, non seulement pour mieux rendre compte des aspects culturels dans les textes traduits, mais aussi pour tracer des limites éthiques propres au processus de traduction. Votre lecture moderne du fonctionnalisme intégré aux enseignements de notre faculté de traduction et d'interprétation s'applique au triple plan des théories, de la didactique et des pratiques. Il a l'avantage de proposer un cadre utile pour tous les types de textes et pour toutes les fonctions possibles du texte traduit selon le public cible. Ceci explique en grande partie l'énorme influence de votre approche sur toute une génération de traducteurs et de traductologues. J'aimerais relever également votre profond attachement à une tradition humaniste et cosmopolite, ainsi que votre fidélité aux valeurs d'équité et de diversité que notre faculté prône et défend. Qui, mieux qu'un traducteur ou un interprète, se doit de cultiver son ouverture au monde. Au cours de votre carrière académique, vous avez effectué de nombreux séjours d'enseignement à travers le globe. Vous avez ainsi inspiré des centaines d'étudiants et de chercheurs attestant des vocalités pédagogiques extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'honorer les services que vous avez rendus à l'avancement de la traductologie en tant que discipline et de façon plus large à la médiation et à la communication interculturelle. C'est avec reconnaissance pour cette contribution et pour votre engagement que notre université vous décerne les titres de doctorat, de docteur honoris causa. J'invite maintenant notre celliste, M. François-Xavier Poza, pour un intermède musical. Thank you.
Cher François-Xavier Poisat, merci de nous avoir fait la preuve de toute l'étendue de vos talents, de votre lyrisme et de votre virtuosité auxquelles nous avons déjà été habitués. J'en appelle ici à l'autorité non pas du profane que je suis, mais du maître Boris Berezovsky, lequel a reconnu le formidable potentiel que vous recelez et qui est encore appelé à se développer. J'en veux pour preuve les très nombreux prix et distinctions que vous avez déjà remportés, en particulier le prix spécial du jury du célèbre concours Tchaïkovski de Moscou, faisant de vous le premier Suisse de l'histoire à être ainsi distingué. C'est à une toute autre partition que nous allons porter maintenant notre attention, celle de la culture non musicale, mais patrimoniale, celle du droit à l'éducation, celle du respect des différences. Je passe maintenant le témoin à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour son discours. Merci beaucoup. Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur Jocelyn, délégué permanent de la Suisse auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les lauréats des prix et qui viennent d'être décernés aussi avec cette distinction Doctor Honoris Causa de l'Université de Genève, distingués invités. Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour vos paroles si aimables à mon égard et je voudrais vous dire combien je me sens humble d'être distinguée en compagnie de si grandes personnalités et défenseurs des droits fondamentaux. Après Desmond Tutu, Elie Wiesel, Mary Robinson, Toni Morrison, Amartya Sen ou Kofi Annan et aussi les grands scientifiques qui viennent d'être discernés. Permettez-moi aussi de dire combien je me sens humble en présence de ma très chère amie Elisabeth Ducret-Wanner, une grande militante pour le droit humanitaire contre les enfants soldats et pour la protection des droits humains et des droits culturels et le patrimoine culturel en péril. Plus qu'un honneur, c'est un plaisir de revenir dans cet amphithéâtre à l'occasion de ce Deis Academicos. Je suis venue ici dernièrement deux fois de parler de la protection du patrimoine mondial, de parler de la diversité culturelle et de parler des droits humains. Ici, l'UNESCO héberge notre chère UNESCO en droit international sur la protection des biens culturels, qui est tellement, je dirais, avec beaucoup de conviction et beaucoup d'engagement, émanée par le professeur Reinhold, dont je suis très reconnaissante. L'année dernière, nous étions rassemblés ici, dans cette même salle, pour une discussion avec les étudiants, des professeurs, des leaders d'opinion sur la destruction du patrimoine culturel en situation de conflit. Et ce débat a contribué à structurer la discussion bien au-delà de ces murs, à faire prendre conscience d'un drame mondial qui n'a fait que d'amplifier depuis. Nous le devons, dans une très large mesure, aux équipes de l'Université de Genève, à leur passion des idées, à leur goût de la culture, à la capacité de leur réseau à faire entendre le message des droits humains et de la diversité culturelle. Je crois que c'est exactement ce qui vous avez mentionné, Madame la conseillère, quand vous avez parlé de l'esprit de Genève. Ce message est aujourd'hui plus important que jamais. Le monde est confronté à l'une des plus graves crises des droits humains depuis la Seconde Guerre mondiale, au nettoyage culturel. Effroyable déchire le Moyen-Orient, marqué par la persécution des individus sur la base de leurs motifs ethniques ou religieux. La destruction systématique et délibérée du patrimoine et de la diversité culturelle. Des crimes de masse, des crimes de guerre, la répression et de torture à grande échelle
qui ont jeté sur les routes des millions de personnes, risquant leur vie pour fuir la guerre et la misère. Tous ces événements font craindre une nouvelle banalisation du mal, une routine dans la violence qui soulève le cœur. Cette crise éclaire déjà d'un jour nouveau la relation intime entre les droits humains, le patrimoine culturel, la culture et la diversité culturelle. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 20 ans, la diversité culturelle était accusée de conduire au relativisme, de remettre en question l'universalité du droit. Aujourd'hui, le nettoyage culturel en Irak et en Syrie montre que les ennemis des droits humains sont aussi les ennemis de la diversité culturelle, car celle-ci incarne une liberté de vivre et de penser qui est inhérente à l'être humain, à la dignité humaine. C'est un changement de perspective important. La protection de la diversité culturelle est inséparable du respect des droits humains et ne peut jamais servir d'excuse pour porter atteinte aux droits humains. Cette vérité, défendue dans le texte de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en 2001, reçoit ici sa plus parfaite confirmation. Et nous devons tout mettre en œuvre pour protéger dans le même mouvement les droits humains universels qui nous rassemblent et la diversité culturelle qui nous enrichit. C'est une exigence historique qui est non seulement un défi sécuritaire et militaire, mais surtout un défi moral et un enjeu de civilisation. L'extrémisme, j'en suis convaincue, ne sera pas vaincu par la force des armes uniquement. L'histoire nous l'a suffisamment montré. L'extrémisme sera vaincu par des idées. Il faut aussi gagner cette bataille des idées, et pouvoir répondre avec un contre-discours en faveur de la tolérance, de la paix, de la compréhension mutuelle, de la alphabétisation, je dirais connaissance culturelle. Cela suppose de donner aux jeunes des compétences et les moyens d'être partie prenante de la société, de faire des choix informés, d'avoir des outils intellectuels et culturels pour résister aux discours de haine, à la radicalisation, de décrypter les informations diffusées dans les médias, sur Internet. Cela suppose un nouveau pacte pour la diversité culturelle dans les écoles, par l'enseignement de la citoyenneté mondiale et de nouvelles compétences interculturelles, en intégrant dans les cursus l'histoire des civilisations pour que chacun connaisse sa propre culture et histoire et respecte celle des autres. J'en suis convaincue. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un choc des civilisations. C'est une division, c'est l'opposition de ceux qui croient que nous pouvons vivre ensemble dans la diversité et ceux qui le refusent. Et cette vision, mesdames et messieurs, est au cœur de l'action de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous avons la tâche, le combat qui nous amène aussi à tout faire pour lier la diversité culturelle avec les impératifs sécuritaires et humanitaires. Parce qu'il y a seulement quelques semaines, l'archéologue et directeur du site de Palmyre, Dr Khaled Al-Assad, un grand ami de l'UNESCO, était tué par les extrémistes. Il est mort en héros pour avoir tenté de sauver la ville jusqu'au bout. Dr Khaled Al-Assad est mort parce qu'il croyait justement que ce patrimoine valait davantage que sa propre vie, parce que ses ruines portent des valeurs qui transcendent l'humanité. Son sacrifice
nous montre que les êtres humains ne sont pas simplement des êtres biologiques qu'il faut nourrir et soigner. Ce sont des êtres de culture qui s'inscrivent dans une histoire qui les dépasse et qu'ils veulent transmettre aux générations futures. Accepter que ce patrimoine soit détruit, c'est accepter que Khaled al-Assad soit mort pour rien et renoncer en partie à ce qui nous définit comme humanité. Loin d'être naïf ou idéaliste, cette vision trace une ligne très nette entre les défenseurs des droits humains et les autres. Partager cette vision, maintenir le cap de la dignité, même au cœur de l'urgence, est un défi éducatif, culturel, éthique et moral. Les universités comme l'Université de Genève, les professionnels de la culture, les artistes, les médias, les étudiants, la société civile ont une responsabilité historique pour partager cette vision et faire entendre un discours de tolérance et de paix qui décrédibilise la propagande extrémiste. Nous savons que les extrémistes ont peur de l'histoire. Ils ont peur de la culture et de la force qu'elle donne, de la capacité de résistance ou de résilience qu'elle représente. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchent à la détruire. La réponse à l'extrémisme passe par la culture, par l'éducation, par le partage des savoirs qui peuvent humaniser la vie, la rendre plus libre, plus consciente, plus vigilante. Ce mouvement existe et partout dans le monde, je vois grandir des initiatives citoyennes, des mouvements de solidarité qui s'appuient notamment sur les réseaux sociaux qui représentent un formidable espoir et un nouvel humanisme. L'année dernière, dans ce même amphithéâtre, je vous ai montré les images des mausolées de Timbuktu, détruits en 2012 par des groupes extrémistes armés. L'UNESCO avait promis de les reconstruire et nous avons tenu la parole. J'étais sur place au mois de juillet à Timbuktu et j'ai vu comment la reconstruction de ces monuments islamique, millénaire, permet à tout un peuple de reprendre la confiance. C'est le message de l'UNESCO et je crois que la reconstruction de ces mausolées peut être la vision, le visage de l'humanisme dont on a tellement besoin aujourd'hui. C'est exactement le contrepoids aux forces de l'intolérance. Je dois en conclusion, vous dire encore une fois, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, combien je suis honorée par cette distinction, Dr. honoris causa de l'Université de Genève. Je le prends avec un sens de responsabilité. C'est un grand honneur pour moi et pour l'organisation, cette grande institution, l'UNESCO, qui fête cette année son 70e anniversaire. L'UNESCO a porté une énorme contribution à l'humanité. L'UNESCO est le laboratoire des grandes idées, les grandes idées sur la biodiversité, le rôle de la science dans le climat, le grand concept du patrimoine mondial, le concept de la diversité culturelle et le concept, bien évidemment, de l'éducation comme porteuse de la dignité humaine. Et aujourd'hui, vous avez parlé aussi, Madame la conseillère, de l'esprit de Genève, et vous, Monsieur le Recteur, vous avez parlé aussi de mon combat. Je crois que c'est le combat de l'UNESCO, et c'est un combat que je vais poursuivre, parce que je crois aujourd'hui, la division, comme j'ai dit, entre ceux qui croient que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est, je dirais, que le nombre de ces jeunes grandit chaque jour et ce qui dénie, ce qui nie ce concept est notre combat le plus important. C'est le futur
de l'humanité qui est en cause, et c'est aussi le futur de vous, les jeunes étudiants, qui est en cause. Et je crois que, et je suis convaincue que cette distinction nous responsabilise, nous honore, et nous allons continuer ce combat. Merci beaucoup. Merci pour ce discours si émouvant, si profond, et pour votre engagement pour cette cause si noble et si importante. Vos paroles très fortes nous rappellent que l'enjeu des droits humains se joue souvent à une dimension qui dépasse le cadre local, que cette problématique doit être prise en main, discutée, décidée à une échelle qui doit forcément nous dépasser dans tous les sens du terme. L'invité qui va suivre est pourtant la preuve vivante qu'il est possible, depuis Genève, à notre échelle, de changer le monde. Le mot n'est pas trop fort, tant il est vrai et tant il caractérise à la perfection l'action d'Elisabeth de Creewarner. Chère Elisabeth, je vous laisse la parole. Les salutations protocolaires ayant été faites, et c'est certainement beaucoup mieux ainsi, parce que je n'aurais pas su le faire aussi bien, je me limiterai à vous dire, mesdames, messieurs, chers amis. Monsieur le recteur, votre université a décidé de me conférer aujourd'hui le grade de docteur honoris causa. À moi, la militante, qui ne me suis jamais assise sur un banc d'université. C'est avec honneur et gratitude que je reçois cette distinction, mais je tiens bien sûr à la partager avec tous mes collègues et le Conseil de l'Appel de Genève, ainsi qu'avec toute ma famille, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants même. Ils ont toutes et tous, à leur manière, contribué à cette reconnaissance. Merci à eux et merci à l'Université de Genève de cet honneur, en particulier à la faculté de droit. Vous aviez souhaité qu'aujourd'hui j'évoque dans mes propos le sujet qui a fait l'objet de discussions durant toute cette semaine dans votre université, à savoir le commerce et les droits humains. Qui dit commerce dit volonté de croissance économique. Mais cette croissance est-elle toujours compatible avec le respect des droits? Hélas, c'est trop souvent une croissance des violations des droits fondamentaux et des inégalités sociales que nous assistons. Et comment mesure-t-on une croissance économique? À quoi correspond-elle? Où va-t-on la mesurer? Celle de certaines grandes puissances d'Asie, par exemple, a été assez extraordinaire ces dernières années. Mais qu'est-ce qui croît là-bas? Les libertés? Les droits sociaux? Ou le travail sous-payé? Celui des prisonniers? Celui des enfants? Certaines théories avancent que pour qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait sécurité et stabilité. Et pour qu'il y ait sécurité et stabilité, il faut qu'il y ait respect des droits humains. Ce raisonnement fait sens dans sa théorie. Malheureusement, la réalité du monde d'aujourd'hui nous dévoile des situations bien différentes. De nombreuses régions en conflit ou en situation de violence jouissent d'un commerce florissant. Même Daesh, à l'ère actuelle, fait du commerce avec un certain nombre d'États. Autre exemple, celui d'une grande compagnie de production de fruits active dans une région en conflit et qui cultive au cœur de zones contrôlées par des groupes armés. Nombre de paysans travaillent pour cette compagnie et grâce au salaire qu'ils reçoivent, ils peuvent nourrir leur famille et font vivre économiquement une région extrêmement pauvre. Un jour, les rebelles décident d'imposer une taxe sur les convois de fruits. Si la compagnie paye, elle viole le droit. On ne donne pas d'argent à des groupes armés. Si la compagnie refuse de payer, ce sont d'autres droits fondamentaux qui partiront en fumée. Les droits pour ces paysans d'avoir un travail, à manger, de quoi éduquer leurs enfants. Quelle est dès lors la bonne réponse? Pas si simple. Ces deux exemples aux concepts et conséquences très différents nous montrent la complexité du commerce, de la guerre et de la violation des droits fondamentaux. Et ce n'est pas un hasard si, en parlant de commerce et des droits humains, les exemples que je vous ai apportés aujourd'hui concernent des situations de conflit. D'abord, c'est parce qu'il s'agit du quotidien dans lequel je travaille. Ensuite, je ne pense pas qu'on puisse parler de commerce
et de droits humains sans faire le lien avec le commerce des armes. Probablement le commerce le plus juteux aujourd'hui sur notre planète, qui se chiffre en dizaines de milliers de milliards de dollars et qui participe à l'évaluation de la richesse d'une société. Chaque arme vendue augmente le PNB du pays fournisseur. Ce commerce-là ne rime que rarement avec droits humains. Quand les lobbies puissants et économiques s'en mêlent, les droits de l'homme ne pèsent plus très lourd dans la balance. On tente bien sûr de réguler ce commerce, mais pour l'heure, le commerce international des armes est moins régulé que celui des écailles de tortue ou des caramels mous. J'aimerais maintenant vous emmener un peu plus loin dans mon jardin, dans le jardin de l'Appel de Genève, Geneva Call en anglais, est mieux connu sous ce nom. Jardin qui lui aussi tente de cultiver les droits humains. Revenons à la base, au commencement, les droits, c'est-à-dire le droit. Le droit effectif, c'est le droit des États, et cela vaut pour les droits humains comme pour tout autre domaine du droit, y compris aussi le droit humanitaire, ces conventions qui portent le nom de notre ville. Les droits humains et le droit humanitaire ont certes été proclamés par des écrivains, des philosophes, des militants politiques, bien avant que de l'être par des gouvernements et des organisations internationales. Mais au final, les textes qui les instituent ont été adoptés par des États, pour les États, auxquels peuvent adhérer les États, et que les États sont donc supposés respecter. À s'en tenir là, on pourrait supposer, considérer les groupes armés non étatiques, rebelles, guérillas, mouvements de libération, comme juridiquement non responsables de violations du droit, puisqu'ils ne sont pas formellement contractants de ce droit. Il y a là un réel décalage. Le droit par et pour les États. Or, aujourd'hui, les États ne sont plus les seuls acteurs des conflits. Les guerres d'aujourd'hui ne sont plus des guerres entre États. Elles impliquent des acteurs armés non étatiques. Et dans la réalité, dans la vie quotidienne des gens, peu importe aux victimes de violations de leurs droits, que ceux qui les violent soient ou non des agents de l'État. Qu'est-ce que cela change pour les victimes ? Que nous les aimions ou pas, ces groupes armés existent. Ils mènent des actions sur les populations civiles des territoires qu'ils contrôlent et ont de fait un impact comparable à celui des États. Mesdames et messieurs les membres du rectorat, en décidant de m'honorer aujourd'hui, vous avez relevé qu'avec l'appel de Genève, nous faisons, je vais prendre exemple, avancer le droit. Comment fait-on avancer le droit ? Les juristes et les légistes font le droit. Les parlements font les lois. Les tribunaux font la jurisprudence. L'université fait la recherche académique. Le terrain, lui, fait la réalité du droit. Le droit n'existe pas en soi planant au-dessus du réel. Il n'existe que confronté au réel. Et il n'existe que si on se l'approprie. Et on ne peut se l'approprier que par la pratique et son partage avec toutes celles et tous ceux à qui l'on demande de respecter ce droit. Il faut donc être inventif pour intégrer dans le droit ces acteurs que le droit ignore. C'est ce que nous tentons de faire à l'appel de Genève, que l'on avait surnommé l'OVNI de l'humanitaire lors de nos premiers pas, et qu'on nous fait aujourd'hui l'honneur de considérer comme un instrument d'innovation du droit international humanitaire. Nous avons contribué à inventer un nouvel instrument du droit humanitaire permettant aux groupes armés d'en prendre connaissance, d'y adhérer et d'être soutenus dans leur mise en œuvre de ce droit. Et aujourd'hui, le succès est là. Des dizaines de groupes armés ont signé des accords humanitaires avec l'appel de Genève et respectent les normes qu'ils se sont engagés à suivre. Nous avons imaginé de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, l'implication de nouveaux acteurs dans le respect des droits humains fondamentaux. Nous avons découvert qu'aussi longtemps que nous essayons d'imposer des normes faites par et pour les États, elles ne seront que rarement respectées par ces groupes armés. Alors qu'au contraire, si nous parvenons, par la négociation, à faire en sorte que ces normes deviennent les leurs, qu'ils décident par eux-mêmes d'y adhérer et de les mettre en œuvre,
alors elles seront respectées. Toute l'approche de l'appel de Genève se base sur l'appropriation des normes humanitaires par les groupes armés, gage de succès et d'une meilleure protection des civils pris au piège des conflits. Notre projet est simple, rendre le droit international humanitaire effectif sans avoir besoin pour cela de changer aucune loi ni aucune convention, mais en entretenant avec les acteurs armés non étatiques un dialogue menant à leur engagement à respecter ce droit. Et c'est probablement là aujourd'hui une des clés du respect du droit international humanitaire. Mais quel lien avec l'université allez-vous me dire ? Après plusieurs années passées à rencontrer des groupes armés dans le maquis soudanais ou dans les montagnes irakiennes, à comprendre leur fonctionnement, à inventer les moyens de les amener à respecter les civils dans leur lutte armée, à négocier la démobilisation d'enfants soldats ou l'arrêt du viol comme arme de guerre, j'ai acquis la conviction que nous pouvons apporter beaucoup à ceux qui analysent et interprètent le droit. La reconnaissance qui m'est octroyée aujourd'hui est un signe qui va dans ce sens et qui pour moi est hautement symbolique. Elle souligne ainsi que nous, petite ONG, et vous, l'université, pouvons être complémentaires, apporter chacune notre valeur ajoutée, développer nos expertises dans des terrains et contextes différents, et ensuite se nourrir l'une l'autre afin de progresser vers notre objectif qui est commun, améliorer le respect du droit dans les conflits. Et Genève est un lieu idéal pour un tel exercice. Il n'y a peut-être aucune autre ville au monde où une ONG peut travailler et négocier avec des acteurs armés souvent labellisés terroristes. Aucune autre ville où ces acteurs acceptent de se rendre en confiance et aucune autre ville où les autorités acceptent de les laisser venir à des fins de négociations humanitaires. Tous les acteurs de notre cité, et bien sûr l'université en est un, doivent saisir cette chance et ce privilège que nous offre Genève. Il nous faut tous ensemble apprendre à interpréter et appliquer le droit de manière pragmatique, qu'il s'agisse du droit commercial et de celui du commerce international, des droits humains ou du droit humanitaire. Des règles inapplicables ne protégeront pas celles et ceux qu'elles devraient protéger. Et des règles qu'on ne peut appliquer qu'à certaines situations ou dont on ne peut attendre le respect que par certains acteurs ne peuvent être considérées comme des règles universelles et fondamentales. Il en va ainsi du droit international humanitaire. Tant qu'il ne s'appliquera qu'à certains conflits et pas à d'autres, à certains acteurs de ces conflits et pas à d'autres, ce droit sera partiel, partial et plus grave, trop souvent impuissant. Alors pour éviter ce sombre scénario, et même s'il faut parfois se heurter à des contradictions, même s'il faut parfois placer le pragmatisme avant les lois, même s'il faut parfois déranger le système établi, il y a un droit à se rappeler sans cesse, un droit à proclamer et à faire respecter avant tous les autres, un droit qui nous oblige à chercher, à innover, à oser, le droit fondamental de chacune et chacun, celui d'avoir des droits. Et c'est là notre moteur à l'appel de Genève, défendre pour les hommes, les femmes et les enfants pris au piège des conflits ce premier droit, celui d'avoir des droits. Je vous remercie. Merci, chère Elisabeth, pour ce discours empreint d'émotion, d'espoir et de volonté. J'ouvre maintenant la partie consacrée au prix de l'université. Trois récompenses vont maintenant être attribuées à leur récipiendaire, dans l'ordre, le prix Latsis de l'Université de Genève, le prix Nessim Abif, la médaille de l'innovation et enfin la médaille de l'université. Nous allons commencer par le prix Latsis. Michel. Bien, cher Juan Diego Gomez, je vous prie de bien vouloir me rejoindre. Une des missions de notre université, mesdames et messieurs, est de favoriser l'éclosion des talents et d'assurer une relève académique de premier ordre. Cette mission doit permettre à nos chercheurs de faire œuvre de pionniers, tout en faisant preuve de la rigueur nécessaire à toute démarche scientifique digne de ce nom.
Je suis aujourd'hui dans une situation particulièrement agréable puisque toutes ces qualités se retrouvent réunies dans une personnalité scientifique dont le potentiel d'innovation particulièrement prometteur est récompensé aujourd'hui par le prix Latsis de l'Université de Genève. Bien sûr, vos talents, monsieur, vous appartiennent en propre, mais même les individualités les plus brillantes ont besoin d'un cadre propice pour s'épanouir. À cet égard, les travaux de Juan Diego Gomez se situent dans le sillage d'un ensemble de recherches que le laboratoire de vision par ordinateur et multimédia mène depuis près de 20 ans et qui ont pour objectif de développer des moyens de substitution sensorielle pour les patients malvoyants, voire pour les personnes aveugles. Il s'agit, en termes plus simples, de remplacer le sens de la vue qui est devenu défaillant ou absent par un autre sens comme le toucher ou comme l'audition. Le travail de Juan Diego Gomez se focalise sur la transcription en son de l'environnement direct des personnes en situation de handicap selon deux approches qui sont basées sur des méthodes informatiques dites de vision par ordinateur. La première de ces deux approches, c'est le remplacement d'une couleur, tout simplement, par un stimuli sonore particulier et localisé dans l'espace qui permet aux personnes malvoyantes, aux personnes aveugles, de penser, à défaut de voir, la couleur. L'autre approche est la reconnaissance des objets environnants par leur retranscription auditive. Vous êtes, monsieur, un informaticien plus que doué, un travailleur acharné. Vous avez su, dans votre domaine d'expertise, réaliser et tester divers prototypes dans une démarche de recherche résolument appliquée. Ça n'a pas empêché vos travaux de faire l'objet de nombreuses publications scientifiques. Ça vous a sans doute aidé à motiver et à intéresser des étudiants à participer à vos recherches, aussi bien en bachelor qu'en maîtrise. Et j'ai un plaisir tout particulier à souligner aujourd'hui qu'une partie des tests de système que vous avez développés s'est déroulée avec des handicapés de la vue en Colombie, démontrant, si besoin était, la visée éminemment pratique, éminemment humaine de votre innovation technologique. Monsieur Juan Diego Gomez, pour vos qualités scientifiques et humaines reconnues par vos pairs, pour la qualité de votre travail de thèse que vous avez défendu avec succès, la maison, l'université, a le plaisir de vous remettre aujourd'hui son prix Latsis 2015, qui va plus concrètement vous être remis par Monsieur Stéphane Berthet, qui est là, le secrétaire général de notre université. Cher Hans Müller, je vous prie de bien vouloir me rejoindre. Merci. Le prix mondial Nessim Habif est attribué chaque année à une personnalité du monde académique qui a illustré, par une réflexion et des travaux particulièrement originaux et approfondis, un domaine des sciences exactes, médicales ou humaines. Les candidats à cette prestigieuse distinction doivent donc pouvoir faire la preuve d'une excellence académique sans conteste. À l'image du MESEM éponyme qui nous permet aujourd'hui de vous décerner ce prix, les prétendants doivent savoir traverser les frontières qui séparent trop souvent monde industriel et académique. Biochimiste de formation, pharmacologiste par passion, neuroscientifique par vocation, vous débutez votre carrière industrielle chez Hoffmann La Roche, dont vous avez été vice-directeur de la recherche. Vous revenez ensuite à vos premiers amours universitaires en tant que professeur et directeur de l'Institut de pharmacologie de l'ETH à Zurich, ainsi qu'à la faculté de médecine de l'Université de Zurich. À votre tableau d'honneur figurent de nombreuses fonctions prestigieuses. De 2001 à 2005, vous avez été ainsi le premier directeur du pôle de recherche national Neural Plasticity and Repair. Et vous avez œuvré dès 1996 au conseil de l'Académie suisse des sciences médicales. Dans les domaines d'expertise connexes qui sont les vôtres, peu de scientifiques peuvent se targuer de voir leur nom associé à
contribution majeure liée à la découverte d'une molécule singulière, d'une voie de signalisation cellulaire ou d'une théorie fondamentale susceptible de révolutionner le champ des connaissances de son époque. Aujourd'hui, tout individu ayant travaillé sur l'acide gamma-aminobutyrique, ou GABA, ce neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, connaît vos travaux. Si beaucoup ont apporté une contribution séminale à la définition des récepteurs GABA, personne ne vous égale en termes de découvertes fondamentales sur la structure, la fonction et l'importance clinique des sites de fixation de ces récepteurs. Ces découvertes se sont répercutées dans le domaine pharmaceutique grâce à la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques comme le flumazénil, un antagoniste des benzodiazépines. Une preuve supplémentaire, s'il le fallait, de la dimension à la fois fondamentale et translationnelle que vous avez su développer tout au long de votre carrière. Professeur Hans Müller, votre héritage scientifique dans le domaine des sciences pharmaceutiques continuera à bénéficier à la communauté pendant des décennies. En témoignage de notre reconnaissance, je vous prie de bien vouloir accepter, cher professeur, le prix mondial Nessim Habif que vous décerne aujourd'hui l'Université de Genève. Je prie Madame Anne-Marie Gekeler, représentante de la Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny, Madame Laurence Gros, présidente du Conseil de la Fondation Bodmer, ainsi que Messieurs Michel Jeanneret, Jérôme David et Radu Soussiou de la Faculté des Lettres de venir nous rejoindre ici sur le podium. Sur la rive droite, au campus Biotech, nous avons une manifestation extraordinaire du cerveau humain, la recherche de sa simulation. Je nomme le Human Brain Project. Sur la rive gauche, nous avons une autre manifestation remarquable du cerveau humain, la littérature mondiale au cours des millénaires. Les nouvelles technologies de l'information sont en train de transformer les conditions de la recherche aussi dans les sciences humaines. L'essor spectaculaire des humanités numériques ouvre des nouvelles possibilités au traitement du savoir, qu'il s'agisse de l'analyser ou de le diffuser. Le rectorat est ainsi heureux de distinguer aujourd'hui une initiative en sciences humaines qui met en réseau, je dirais même en résonance, des représentants du monde académique et de deux fondations privées pour explorer de façon novatrice et critique ces nouveaux instruments pour s'interroger sur leur pertinence dans les champs des études littéraires. Ce projet est d'autant plus remarquable que le Bodmer Lab, comme son nom l'indique, travaille sur la bibliothèque unique au monde de la Fondation Martin Bodmer à Colonie. Cette fabuleuse collection rassemble plus de 100 000 documents écrits, la plupart très rares, qui témoignent de l'activité de l'esprit humain à travers le temps, 4 millénaires et l'espace, le monde entier. Cette « Weltliteratur », comme l'appelait Martin Bodmer à la suite de Goethe, le Bodmer Lab s'efforce d'en dégager la structure. Parallèlement, il numérise, pour le bénéfice d'un réseau grandissant de chercheurs et de lecteurs de tout horizon, un bon nombre des trésors, souvent méconnus, que recèle ce fonds. Son mérite est, en outre, de privilégier ce qu'on appelle les « smart data », c'est-à-dire la saisie et le traitement de données choisies que significatives et susceptibles de déboucher sur de réels gains de connaissances. Cette aventure ambitieuse, novatrice, n'aurait pu voir le jour sans le soutien indéfectible dès le début de la Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny et de la Fondation Bodmer. La Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny finance généreusement la première phase de l'entreprise sur une période de 3 ans. La Fondation Martin Bodmer a quant à elle ouvert ses portes, ses trésors et s'engage pleinement dans l'aventure avec tout son personnel et son savoir-faire. Cet engagement institutionnel que nous saluons aujourd'hui permet à nos chercheurs de déployer tout leur potentiel académique. Nous distinguons à ce titre aussi les 3 fondateurs et directeurs du Bodmer Lab, dont les profils permettent de mener à bien un projet qui nécessite des compétences fortement complémentaires. Jérôme David,
professeur associé et spécialiste de la notion de littérature mondiale, Michel Jeanneret, professeur émérite de littérature française de renommée internationale, et Radu Susiu, docteur ès lettres et expert en humanité numérique. L'équilibre entre ces trois collaborateurs est exemplaire, comme il l'est entre la Fondation Bodmer et la Fondation Schmidani et aussi l'Université de Genève. Le rectorat en est heureux et souhaite souligner par cette médaille de l'innovation l'importance qu'il attache à la réussite de telles collaborations. Je serais très heureuse, je suis très heureuse plus exactement, d'inviter Suzanne et Peter Souter à venir près de moi pour la remise des prix des médailles de l'université. Honneur aux femmes, chère Suzanne, si vous permettez. Et c'est à dessein que j'emploie en pluriel, tant vous semblez habitée de plusieurs vies. Vous avez été une des premières femmes, si ce n'est la première, a endossé en Suisse le rôle de chef de clinique aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous avez été choisie alors que votre carrière de chercheuse en maladies infectieuses était déjà bien remplie. Votre domaine d'expertise vous a conduite à faire de la recherche sur la mucoviscidose, votre cheval de bataille, pour et avec les enfants, vos patients privilégiés. Nommée professeur ordinaire, puis chef de service au service de pédiatrie, vous avez été choisi pour changer les choses et je crois que le moins que l'on puisse dire, personne n'a été déçu. Vous avez autant marqué de votre empreinte vos collaboratrices et collaborateurs par votre personnalité hors norme que par les changements radicaux que vous avez permis d'opérer. Vous avez professionnalisé et même encore plus fort, académisé la pédiatrie à Genève et vous lui avez permis de passer du statut de discipline considérée alors comme mineure à celui de véritable spécialité médicale. C'est sur un autre terrain, moins attendu sans doute par ceux qui vous avaient élu, que vous avez également conquis l'estime de tous. Peu de nos invités le savent, mais vous avez été la première déléguée à l'égalité de notre canton. À l'époque, une telle fonction était considérée au mieux comme saugrenue, au pire, comme une aberration. Vous avez en effet beaucoup fait pour la cause des femmes dans un milieu hospitalier dont l'échelle hiérarchique était difficile pour une femme. Vous avez été une des premières à accepter dans votre service le partage de postes, permettant ainsi à des femmes internes de travailler à mi-temps et donc de mener de front une vie familiale et une vie professionnelle. C'est aussi grâce à vous que les femmes ont arrêté de faire des gardes au-delà de leur 27e semaine de grossesse. Vous avez appliqué beaucoup de mesures favorisant la relève féminine et l'accès des femmes aux plus hautes fonctions, ce qui n'allait pas de soi. En ce sens, et c'est là aussi toute votre générosité, vous avez aidé les autres à faire ce que vous avez vous-même appliqué tout au long de votre vie professionnelle et personnelle. Mère de 3 enfants, quadrilingue, les qualités que vos pères vous reconnaissent sont celles d'une femme déterminée, qui dit vrai et qui plus est, met en pratique ce qu'elle dit. Notre faculté de médecine et la pédiatrie à Genève et au-delà des frontières vous doivent énormément. Difficile, a priori, cher Peter, de régater avec une telle épouse. Mais on sait bien que peu de choses vous arrêtent. Vous qui n'avez pas attendu le nombre des années pour démontrer toutes les qualités qui font de vous une personnalité, ayant marqué de son passage tant d'institutions académiques, depuis votre nomination à la faculté de médecine et aux hôpitaux universitaires dans les années 80. Professeur ordinaire, doyen de la faculté de médecine et vice-recteur de l'université, vous restez engagé dans de multiples institutions qui ont un impact direct et durable sur la recherche et le milieu hospitalier en général, en Suisse et ailleurs. Vos proches vous prêtent 2 qualités essentielles, celle de réformateur et celle de visionnaire. Réformateur, car vous avez su concilier votre rôle de chef de service de chirurgie à l'hôpital à celui non moins prenant et exigeant de doyen, puis de vice-recteur.
votre expérience de pilote de chasse que vous avez cultivée des années durant vous a visiblement préparé à affronter tous les trous d'air et les vents contraires inhérents à ce type de fonction. Énergique, éternellement jeune, semble-t-il, vous témoignez d'un caractère solide et entreprenant. À l'université, la promotion de l'éthique médicale, une exigence en termes de recherche et d'enseignement, de même que le renforcement des liens entre les praticiens et la faculté, sont autant de signes de votre héritage dont nous récoltons toujours les fruits. Visionnaire, vous l'êtes également. Là aussi, votre habitude de prendre de la hauteur et de rester aux commandes vous a très certainement permis de voir et même de prévoir ce que d'autres n'ont su anticiper. Au cours des années 2000, alors que tous insistaient sur la prochaine pléthore des médecins, vous avez été l'un des premiers à affirmer que nous nous dirigions, au contraire, au-devant d'une carence, en tout cas d'une carence dans la relève hospitalière. Vous aviez alors obtenu du Collège des professeurs le feu vert pour augmenter la capacité de nos effectifs estudiantins. La marche de l'histoire vous a donné raison. Suzanne et Peter Souter, vous n'êtes pas l'avers et le revers de la même pièce, mais bel et bien deux fortes personnalités qui ont marqué, chacune à leur manière, l'histoire de notre université. Et je suis sincèrement très heureuse de pouvoir vous donner aujourd'hui en témoignage de notre reconnaissance ces deux médailles de l'université que nous nous faisons un plaisir immense de vous donner. Thank you.
notes exécutées avec tant de brio et qui ont illuminé notre cérémonie que se termine le Dies Academicus 2015. Mesdames et messieurs les récipiendaires, je vous félicite encore une fois pour votre distinction et de votre présence qui nous honore. Je vous prie également de bien vouloir rester ou revenir encore sur la scène pour une séance photo. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont œuvré en coulisses à l'organisation de cette journée et sans lesquelles rien ne serait possible. Elles sont derrière vous dans l'ombre, Anne Laufer et toute son équipe, ma collaboratrice Elisabeth Muster et mon adjoint académique Pablo Achard. Ce sont également les personnes qui sont derrière moi, les doyens, toute l'équipe de Rectorat, sans lesquelles je ne serais rien, je ne pourrais rien, je ne ferais rien. Je les en remercie infiniment.